on avait besoin d'une machine avec une lèse supérieure à 3,20 m, avec une qualité à peu près équivalente à la qualité latex. On a donc choisi la Gandhi, qui nous permet de travailler environ 2 à 3 fois plus vite qu'avec une machine latex sur une qualité identique. Et surtout en 5 mètres. Pour faire rapide, nos applications sont les suivantes. D'une part, notre cœur de métier qui est le très très grand format en toile tendue. On a fait des bâches de plus de 400-500 mètres carrés. Donc notre cœur de métier est principalement la toile tendue très grand format sur les façades. Grâce à la Gandhi, on a réussi à développer un autre secteur d'activité qui est la décoration intérieure en très grand format, toujours soit en toile tendue, soit en toile collée. Dernier point, le choix s'est porté sur la Gandhi à cause de sa rapidité, hein, ce qui nous permet de réagir à J plus 1, J plus 2, pratiquement quelles que soient les commandes. Au jour d'aujourd'hui, on sait très bien qu'on a une forte compétitivité, une forte concurrence, pardon, des marchés de l'Est, des imprimeurs de l'Est, qui eux sont capables de faire des prix. Nous, on est capable de faire de la qualité et du délai. C'est ce qui nous permet notre position. L'objectif est évidemment de travailler sur des produits à plus forte valeur ajoutée, à savoir des produits polyester enduit acrylique. D'ailleurs, la production, l'impression de ce type de support, genre Jettex de chez Dixon ou Airtex de chez Mellor, est en train de dépasser la production, enfin la quantité de mètres carrés imprimés par rapport à de la toile PVC. Donc l'objectif, c'est aussi d'aller vers une impression durable, c'est-à-dire avec moins de PVC, plus écologique. Il faut savoir qu'on a pris cette on achète nous notre énergie auprès d'Enercoop à Grenoble. C'est 100% notre électricité, c'est 100% d'énergie renouvelable. Absolument tous nos déchets sont triés, retraités et soit réutilisés, soit ils servent à chauffer la ville d'à côté, tout simplement. Rien ne se perd chez nous. Donc l'écologie est vraiment, enfin en tout cas le durable, est vraiment dans la politique de la société. C'est un choix, ça coûte de l'argent, mais ça fonctionnera à long terme. D'ailleurs, on construit un deuxième bâtiment actuellement, équipé de panneaux solaires, qui nous permettra de produire environ 2 fois notre consommation d'énergie. C'est-à-dire qu'on va être une société en énergie positive. On n'en consomme pas, on en produit. Comme quoi, c'est possible. Ceci dit, après, au niveau des stratégies, il faudra évidemment qu'on aille vers la sublimation, vers les textiles, enfin vers tous les produits qui ne comportent pas de PVC, tout simplement.